Le mariage de Kérosène était très beau, vraiment, mais Kérosène, j'ai appris que tu as laissé une femme. Kérosène. Que tu as laissé, tu as. Ce qui m'a fait énerver dans ton mariage, vous les hommes là, vous manquez trop le respect aux femmes. Vous avez un manque de respect avec les femmes. Le jour que la femme africaine va comprendre, nous serons les meilleurs, nous serons respectés. Mais tant que la femme africaine reste la femme soumise là, la femme maboule, les hommes ne vont jamais, au grand jamais, avoir du respect pour nous. J'ai entendu quelqu'un dire que, oh, elle parle du mari que c'est. Je me suis déjà marié. Vous n'entendez pas qu'elle parle tous les jours. Pour un temps, je me suis marié. On appelle ça mariage par intérêt. Je ne conseille pas ça que le mariage. Les choses ne vont pas faire la mairie. Bac, 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 dans le dessous. Dans le sous-songo là. On parle à va vite. Ça, c'est le mariage pour venir en bain. Pour moi, ce n'est pas le mariage. Vous avez compris? Donc, quand vous voyez, si vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, vous jouez votre large pour vous parler. Parce qu'il faut parler. Le jour que la femme africaine va se donner de la valeur, les hommes vont vous respecter. Et moi, je ne vais jamais donner la. Discuter un homme avec une femme, jamais de ma vie. Je dis jamais de ma vie. Parce que c'est donner trop le poids à l'homme là. Je ne suis pas un objet sexuel comme celle-là. Les objets sexuels. Que derrière on le prend, elle mange les chats pour faire plaisir aux hommes. Moi, elle ne fait pas des choses comme ça. Je peux manger la chat pour me faire plaisir à moi. Elle peut me faire tout mal derrière, c'est pour mon plaisir. Pas pour faire plaisir à un homme. Jamais de la vie. Je n'ai jamais fait quelque chose pour faire plaisir à un homme. J'ai fait mon plaisir à moi. Vous avez compris? Voilà Kérosé qui passe se marier. Il a fait 3 enfants dehors. Avec 3 mères différentes. La première, il a dit que oh, je suis amoureuse de toi. Il a pour le bénin. Il est parti. La deuxième, oh, je crois que la femme de ma vie. Il a déposé, il est parti. La troisième, il vit au Canada. Nous avons vu le poste qu'il a déposé. Il a dit à la fille que, il a lui-même fait le poste que l'amour de ma vie, je vais l'épouser jusqu'à aujourd'hui. Quelques années plus tard, on voit qu'il revient à la mairie avec une autre femme. On vous a pas dit ça dehors. Que faire l'enfant avec un homme, ce n'est pas le mariage. Vous croyez quoi? Hein? Vous avez tous enfants, les enfants avec qui vous allez venir vous épouser. Hein? Vous avez quoi? Vous avez compris, vous a menti. Mais quand vous croisez les hommes ici dehors, une femme croise un homme. Elle dit qu'on n'aurait pas écarté que l'enfant doit entrer parce qu'elle avait entendu qu'on appelle la mère de l'enfant. Vous étiez où? Il fallait partir à la mairie. L'enfant là ne retient pas un homme. Vous avez compris? L'enfant ne retient pas un homme. Quand j'ai eu les preuves, on a pu me dire que c'est la mère de l'enfant. Vous, franchement, j'ai envie de rire. C'est pas que j'ai pas envie d'aller dans les détails. J'ai pas envie d'aller dans les détails. Un homme qui t'aime, ça arrange à arranger la vie de ton enfant. Un homme qui t'aime, ça arrange à arranger la vie de ton enfant. Si la vie de ton enfant est zéro, c'est que l'on n'en a rien à foutre de toi. Vous êtes compris quoi? Yo, machin, oh, mais voilà 3 mères d'enfants qu'on a abandonnés. On est parti épouser Bintou. Bintou, la plus belle. Elle aussi a fait son mouna. Elle a déposé le mariage. Et on a vu. On dit que non, non, jamais il n'a pas 3 enfants avec la fille là. Que vous en avez un seul enfant avec cette fille. Vous pouvez en avoir pas les enfants, les hommes, vous allez tenir les hommes là. Vous n'allez pas tenir les hommes là. Ne faites rien quand vous êtes en couple pour tenir un homme. Vivez votre amour naturellement. N'ayez pas les calculs. Donc oui, je vais faire l'enfant avec lui. Oh, je vais aller l'épouser. Il va plus épouser une autre fille. C'est faux. Il peut t'épouser, demain il divorce. Il peut épouser la femme qu'il aime. Ne faites rien avec les intérêts. Ne calculez pas quand vous êtes en couple. Ne cherchez pas à tenir l'autre. Quand vous calculez, quand vous voulez tenir l'autre, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Voilà, les effets sont là. Quand vous devez tenir les hommes, oh, dès qu'elle rencontre un homme, une femme ne connaît pas un homme. Hein. Elle a connu l'homme sur WhatsApp, Messenger. C'est sur Facebook qu'elle a connu l'homme. Sur Messenger, WhatsApp, les amours, non, pour y aller marier. Il t'aime comment, ma? Comment t'aime? Il t'aime comment? Il t'aime comment? C'est l'amour par intérêt. Oui. Quand il aura ce qu'il a veut de toi, il va te barrer pour aller épouser la personne qu'il aime. Sur TikTok.
Tu ne connais pas un homme. Maman, rencontrez-vous même d'abord. Non? Rencontrez-vous d'abord. Discutez même. Et pour s'y dire, c'est la vérité, discuter, échanger. Ce n'est pas que là, là, là. Un homme, tu te peux te mettre. Tu crois que tu es avec un fantôme. Que tu vois à travers la télévision, tu parles avec lui, tu parles avec lui, tu parles avec lui, tu parles sur Messenger. Un bon, bien le mariage, parce que tu vas entendre qu'on t'appelle, je m'appelle madame. Vraiment. Madame, là, c'est pour combien de temps? Madame, partagez le direct, non. Madame, là, c'est pour combien de temps? Ça ne va pas durer. Ça va prendre le temps, ça va prendre. Tu resteras célibataire. Il va te déposer en haut. C'est qui est sûr, c'est ça. Même si tu as même 100 enfants, il va te déposer en haut. Il va aller épouser la femme qu'il aime dans son cœur. Et nous tous, nous connaissons comment ça se passe. Hein? Quand un homme t'invite depuis, il ne va pas, il peut pas te tromper avec une autre femme. C'est ce moment-là, quand il vous épouse le lendemain, il s'en fait bing avec le tisa. Vraiment. Hein? Vous verrez les hommes, vous tenez les hommes. Les amours par intérêt. Voilà aujourd'hui. L'amour a triomphé. On va beau dire que oh, la famille de la fille est riche. On a mis la lui, ça ne change pas. Mais je pense que Cléo est amoureux de cette fille. Il s'aime. Le mariage était beau. Il est beau, il est jeune. Elle est belle, il est jeune. Elle est jeune. Il s'aime. Même s'il y a un intérêt derrière, c'est d'abord une belle fille. Elle est belle. Ils vont ensemble. Ils s'islamisent, ils s'appellent Adama. Par amour, ils s'appellent Adama. Oh, je suis la mère de l'enfant de. Hey, maman. Oh, je suis la mère de l'enfant de. Oh, je dis, c'est la. Maman. Oh, je suis la mère. Qui... Alors, prendre que j'entre les mains de Bintou par terre, je vois. On dit qu'il est soumis à Bintou. Même s'il est soumis. Ça fait quoi? Il aime la soumission. Adama aime la soumission. Vous avez compris? Il aime la soumission. Il est soumis à Bintou. S'il est soumis à Bintou, un jour il va partir. Retrouver ce qu'il a vraiment aimé. Mais pour le moment, elle a pris. Oh, marcher. Même si le mariage n'a pas intérêt, tu vas regarder, là, tu refuses. La fille a l'argent. La famille de la fille a l'argent. Tu as vu le mariage. C'est dans le point de qui? Adama Kérosène. Il faudra. Toi, l'intérêt. Hein? Ah, maman. L'argent, le pouvoir ici, Dioma. Quand tu as l'argent, tu peux avoir tout. Hein? Avec l'argent, tu obtiens tout ce que tu veux. Elle n'a pas partagé le reste. Elle dit que ma part ici est tout resté. C'est parce que Zougenberg me veut. Zougenberg, je suis fatigué de toi. Je te parle aujourd'hui. Débloque ma page. J'en ai marre. Je ne peux pas être dans les réseaux sociaux. Ma page a couvert. Je peux m'avoir plus d'un million d'abonnés. Tu as bloqué ma page depuis 4 ans, 5 ans. Je reviens encore avec la petite page. Si tu bloques, tu me veux quoi? Zougenberg, tu me veux quoi? Vous les sorciers qui signez, vous signez mes pages pourquoi? Hein? Tu es jaloux de toi comme de. Ah, ça, c'est l'argent qui est important. Rêve bien, Ibis, tu aimes ou même on avait un direct à finir. Mais il y a quoi? Tu es là, le Japon, avec Rêve bien. Il y a quoi, mémé? Comment la fille là, t'as clashé. Mémé, tu sais que tu es une chef d'entreprise, non? Il y a des personnes à qui tu ne dois même pas répondre, ma soeur. Tu es une chef d'entreprise. C'est intéressant, elle est qui? Qu'à chaque fois qu'elle va sortir, elle est au pont. Elle est qui? Tu es une boss lady. C'est n'importe qui a une boutique à Montmartre. Montmartre, c'est européen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es propriétaire en France. Tu as gagné ta vie. Tu as tes enfants. Tu as ta vie. Tu vas au pont à qui tous les jours? Pourquoi il faut me zapper? Bon, comme on dit souvent que nous, maman, on aime le Japon. C'est le Japon qui nous intéresse. Moi-même, j'aime le Japon. Je reprends, c'est ma maman. Si tu reprends, c'est vrai. Tu as raison. Si tu reprends, tu reprends. Tu reprends. Maman, j'ai vu seulement la coupure de comment tu l'as lavé jusqu'à ce moment-là. Kadama. Les blogueurs, d'abord aussi, vous aimez quand vous insultez. Hein. Franchement, vous aimez quand vous insultez. Parfois, quand il est calme dans son coin, il n'appelle pas son nom. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Hein. N'appelle pas son nom parce que, franchement, quand vous insultez, c'est quand même humiliant. Ça, c'est pas bien. Ça vous salit. Maman avait dit son coin. Rêve bien, il va lancer le live. Franchement, il n'avait rien à vous dire. Je crois qu'on va me donner les étoiles. Vous ne me donnez pas les étoiles. Il y a qu'est-ce qu'on parle. Que vous avez fait un très beau mariage. Que vous avez choisi l'élu de son cœur.
Mais je n'ai pas aimé trop le terme de son mariage parce qu'il a dit que j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Vous les hommes, il faut souvent manquer. Il faut arrêter de manquer le respect aux femmes comme ça. Hein. Va te marier tranquillement. Ne cherche pas à humilier celles qui étaient là avant. Tu as compris? Ne cherche pas à humilier les femmes qui étaient là avant. Tu dis que j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Dans les celles qui tu étais, c'est pas l'amour de ta vie. Donc tu as trompé trois femmes. Il faut arrêter vos colis, vous les gars noirs là. Hein. Ouais, je ne sais pas si je vais sortir encore avec un gars noir. Hein. Je ne sais pas si un jour je vais encore me mettre en couple avec un gars noir. Je ne sais pas. Hein. Parce que les gars ont une façon de mépriser d'autres femmes. Attends, tu m'as marié toi. Tu as fait un beau mariage, mais le thème de ton mariage, j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Dans les trois femmes que tu as fait trois enfants, tu ne les aimais pas. Donc tu as trompé trois femmes africaines. Tu viens de moquer de nos soeurs comme ça. Non, il faut arrêter. Elles ont quand même fait des enfants. Si aujourd'hui tu deviens pauvre, ce sont ces femmes-là qui sont les enfants-là qui peuvent t'élever. Elles sont moins le truc, elles sont les mamans de tes enfants. Hein? Tu les dis carrément que, oh, dis donc, quitte là-bas, tu peux sacrer ton mariage là. Tu dis que, oh, les femmes que j'avais avant là, comment l'amour, j'ai toujours un peu l'amour de ta vie. Quand t'es passé dans ton clip, quand t'es passé dans ton clip pour venir jouer le clip avec toi, tu ne savais pas que c'était une femme qui était l'amour de ta vie. Ya! Yeah! On vous voit venir. Il est en aventure. Non, Julien, ne dis pas ça, maman. Ne dis pas ça. Il n'était pas en aventure. Il était en aventure comment? Donc, la fille, non. La fille était dans son clip en 2014. Il a fait l'enfant avec une fille au Canada, je crois, en 2000, l'année dernière, non? L'année, il y a deux ans. Donc, la femme là, avec qui tu es parti avec qui que tu vas l'épouser, tu n'avais pas vu Bintou dans ton clip pour dire que c'est l'amour de ta vie. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Tu es même souvent en cachette. Hein? Tu n'avais pas vu, tu as fait le clip. Bintou est passé dans ton clip, non? Bintou est passé dans ton clip. Dans l'année là qu'elle est passée dans ton clip, tu ne savais pas que c'était l'amour de ta vie. Tu ne savais pas que c'était l'amour de ta vie. Tu l'as laissé partir. Tu es parti loin au Canada. Belle en du Canada, fais l'enfant avec elle. Pose que tu vas l'épouser. C'est après quelques années après. Tu as dit que tu as fait l'amour de ta vie. Ya! Yeah! On ne peut pas mentir les gens comme ça, disons. Comment tu vas humilier des femmes africaines? Dans ces trois femmes, avec qui je ne vais pas compter d'autres qui n'ont pas eu des enfants. Dans ces trois femmes avec qui tu as vécu là. Elles t'ont fait des enfants, elles ont fait de toi papa, elles ont porté 9 mois pour toi. Tu ne les aimais pas, elles n'étaient pas l'amour de ta vie. Mais pourquoi tu leur as promis le mariage? Pourquoi tu as promis le mariage à celle du Canada? Donc tu te moquais d'elle, donc c'est pas l'amour d'elle, donc tu as perdu le temps pour rien. Vraiment, vraiment. Et tu as dit ça devant le monde entier, les femmes africaines t'applaudissent. Que lui il a choisi ta femme, il a choisi, les jaloux vont mourir. Est-ce qu'un homme peut dire ça? Donc tu as insulté toutes les femmes que tu as connues avant qu'elle. Mais elle était dans ton clip en 2014. Pourquoi tu l'avais pas vu? Quand tu l'avais vu, le vieux dans les yeux, tu l'avais pas vu que c'était l'amour de ta vie là-bas. Tu l'as laissé passer. Tu es parti tourner, tout faire le tour du monde, arriver au Canada, porter le bélier, revenir t'asseoir à Abidjan. Quelques années plus tard, Roger, tu vois une femme qui était devant toi en 2014, tu l'avais pas vu. C'est en 2021, 2023 que tu as fait que c'était l'amour de ta vie. Faut arrêter. Hein? Tu as fait le tour comme Magellan, tu as fait le tour du monde, tu ne déclenches pas, mais dis-moi la vérité. Tu as bouillé ici, bouillé là-bas, bouillé partout, bouillé pour mettre le mariage au gars. Aller ici, aller à gauche, jusqu'à atterrir au Canada, avoir un enfant canadien. Peut-être les chaos au Canadien. Tu es parti là-bas, tu dis que oh, on a vu les photos sur Facebook, tu as écrit que c'est l'amour de ta vie. Tu es revenu maintenant encore à Abidjan t'asseoir. C'est là où tu t'es rappelé qu'il y avait une fille qui avait tourné dans ton clip. Yann, c'est là 2014. Tu te rappelles que c'était l'amour de ta vie. Et c'est là où tu. Vraiment, de les gars noirs, oh les Africains, franchement, quand est-ce que vous allez respecter la femme africaine? Marie Chanté, ils sont avec Bintou, avant de se séparer, Jean-Bum. C'est ce qu'on vous dit, mais ils sont avec elle. Ah, dis donc, tu sais qu'on a attrapé quelqu'un, même s'ils sont avec elle, ils n'avaient pas le droit de dire que le thème de son reste, qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Les femmes, je sais que c'est faux, c'est faux. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il a bouilli partout, 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 partout. Que aux hommes, j'aime que Dieu aime ton mariage. Hein. Mais la phrase là, ce n'est pas bien. Tu as insulté toutes les femmes avec qui tu as eu une aventure un jour. Ces femmes-là méritent au moins le respect. Tu sais pas le traumatisme que tu peux causer à une femme. Ça peut causer le traumatisme à une femme. Qu'elle va dire, toi le gars, j'imagine un peu, je dis aux filles là, que bébé, je t'aime, oh, je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie, depuis que je n'ai jamais eu une femme. C'est ce que vous dites souvent, non? C'est ce que vous dites souvent aux filles, que oui, tu es la femme de ma vie, je t'aime que tout le monde. Attends, tu as vu le white qui est dans ton direct. Quel white? Carole Boyle, quel white?
Tu es, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Tu as dit ça à combien de filles dont tu as menti les femmes là. Imagine celle qui est au Canada. Elle avait dit à ses copines qu'elle me mariait avec une star. Je veux me marier avec Kérosène. Elle était déjà que. Elle avait dit avec. Je ne sais pas. Elle était amoureuse jusqu'à. Et tout, tout, tout. Elle était amoureuse. Kéro. Tu as zaï. Tu as zaï, Kéro. Tu avais un très beau mariage. Ta femme était très belle. Tu étais très beau. Mais le mot là que tu as trouvé l'amour de ta vie, non. Tu peux même dire que. Que tu as trouvé l'amour. Donc c'est, non, tu as zaï. C'est pas bien. Pensez souvent aux autres. Ne pensez pas seulement à vous. Ça peut t'apporter de la malchance. Hein? Regarde tout ce que là. Juste que les femmes là regardent le mariage hier. Comme ça, attends, on connaît comment vous dites. Moi, c'est pour ça moi-même, je manque souvent les gars. Hein. Je manque souvent les gars, moi. Que je t'aime jusqu'à. Et moi, pour dire je t'aime à nous, là, c'est facile. Hein. Je t'aime, machin, je peux mourir. Qui? Moi, la fille de Biaï. Hey! Maman, je suis Eva Floyd. Moi, je suis à force dans le mensonge là-bas. Et peut-être dire je t'aime toute la nuit. Alors que, maman, tu fais l'erreur. Tu glisses, je vais glisser. Et ça ne choque pas. Moi, je suis à une blessée de guerre. Une blague même qui avait l'autre là. Tu glisses, je glisse. Il peut dire que je t'aime, machin. Oh mon père, quand tu me niasses alors, oh, je t'aime avant de tuer ce mal les oreilles. Parce que c'est le goût de la niasse. Je vais te dire ça que oui, c'est bon. Peut-être qu'il ne veut pas le dire. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Et ça peut arriver. C'est sûr, je dis que oui, mais il. Je n'ai rien contre son mal, mais ça, cette phrase-là, c'était pas bien. Un Européen ne dira jamais ça. Je ne vous mens pas. Il y a un peu. Les hommes africains, ils ont cette habitude-là de manquer le respect à la femme. Ils nous méprisent trop. Et puis je n'aime pas. Ce sont les femmes qui pensent que ces hommes-là nous méprisent. Parce qu'elles veulent. Je ne sais pas. Elles sont en manque ou c'est, je ne sais pas trop. Mais moi. Quand tu me bouilles alors. Je vais te dire que maman, c'est bon. Bébé, je t'aime. C'était malade. C'était dit ça dans les oreilles. Partout. Depuis les bisous. Maman, mais que tu fais l'erreur. Le je t'aime là, oh mais je vais te laver comme le salon de ma femme. On m'a dit que c'est la petite disant que je t'aime là, tu dis non. Je suis à une blessée de guerre. L'autre a demandé que, oh depuis qu'elle s'est séparée, elle n'a pas de gars. Tu vas te montrer le gars que j'ai. Comment? Oh, t'es bon, Aïssa, pardon, envoie-moi un peu les étoiles, pardon, mettez-moi les étoiles. Oh, elle n'a pas de gars, donc je vais te montrer mon gars. Pourquoi? Je te montre le gars, pourquoi? J'ai 10 gars. Tu vas te montrer les 10 gars. Oh! Je vais te montrer les 10 gars. J'ai 10 gars, 10. Oh, depuis qu'elle s'est séparée, je ne suis pas moi en couple. Je prends le temps pour me mettre en couple. Pour le moment, j'ai 10 gars. Oui, j'ai 10. Je prends le temps pour me mettre en couple. Pour le moment, j'ai 10 gars. Et les 10 sont mariés. Je fais comment? Je vais seulement leur bouille. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu tisa. Tu n'es pas au courant. C'est le meilleur réseau. Est-ce que tu la souffres? Tu dis que quoi qu'elle est là. Et puis que donc je vais me mettre en couple pour vous faire plaisir. Gars, tu fais la bonne niasse bien les gars ici dehors. Dans quelques jours, le bon niasse. Hein, on a préparé tout. Maman, dans quelques jours là, je vais bon niasse. Maman, la niasse sera devenue. J'ai percé que les plafonds. Po. La semaine passée, j'ai niasse. J'ai dit que j'ai 10 niasseurs. 10. 10. Et chacun, ils se connaissent. Tu touches l'autre qui va dire. Tu touches l'autre qui va dire. Si on veut de garder le secret, j'ai 10 niasseurs. J'ai 10. C'est le meilleur réseau de Tisa. Et je ne suis pas avec personne n'entre chez moi. Quand je dis que non, attends-moi en route. Tu peux m'enlever la voiture là-dedans. Il y a l'hôtel. Hein. Tu n'entends veux pas les ronfleurs chez moi. Je ne veux pas les odeurs. J'aime dormir seul. Mon lit. J'ai 4. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis que dans quelques jours, je vais gonias. Je niaise tous les jours et je change le plantain. Maman, il y a les plantains mûrs, les non mûrs, les un peu mûrs, les. Il y a les plantains gâtés. Maman, mes plantains mûrs, les plantains de 1000 euros, les plantains de 100 euros, les plantains de 200 euros, les plantains. Je suis devenu Dona Benja. Oui. Vous avez suivi le film de Dona Benja? C'est l'homme qui avait transformé Dona Benja. Lui, l'homme qu'il avait transformé, elle était femme très, était très, très fidèle, elle a rencontré son gars, elle était amoureuse et folle de son gars, elle aimait la folie et tout. Après un gars, son gars l'a quitté pour aller épouser une princesse.
ou une princesse, quelque chose comme ça. Elle est devenue quoi? Une casseuse de mariage, briseuse de mariage. Elle bindait. Ouais, je laisse mon histoire de mon direct. Je suis Dora Benja. Quand elle est en couple avec qui? Je suis en couple avec ton père. Tu sais pas ce qu'elle bouille avec ton père? Quand vous faites vos choses là, que je vois seulement, je reconnais seulement le nom de la personne. Je vais aller prendre ton père pour l'amener à l'hôtel. Je filme et t'envoie. Que c'est ton père avec qui je bouille. Parce que je suis très puissante pour ça. Quand elle dit qu'elle va bouiller un gars, hein, il monte, il descend. Elle va bouiller un gars là. Ça ne peut pas me dépasser. Je vais utiliser toutes les stratégies et je vais bouiller avec. Je me connais. Donc j'ai 10 gars. 10. Le titulaire que je considère pour le moment, c'est le blanc de 36 ans. Mon bébé, là, il a 36 ans. Pour le moment, il est le titulaire. Vous n'allez jamais voir le blanc là. Vous n'allez jamais, vous n'allez jamais voir ses tatouages. Je vais filmer, c'est pour vous montrer. Vous avez compris? Mon watt, vous n'allez jamais voir. Maintenant, les gars noirs là. Vous savez que les gars noirs, elles aiment les gars noirs. Je vais seulement les bouiller comme ça là. Il y a un autre qui m'a vu l'autre jour, il m'a envoyé le message. Oh, tata Lolo. Oh, comme tu es un célibataire, elle peut venir passer le week-end. Elle dit ouf, des gars, ouf. On devient la nouvelle équipe.